يبغينا يرفعون فيربالمنت اللي يسمعوا فيها. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, Shakil. Ah, parfait, merci beaucoup. Alors nous allons commencer donc notre deuxième présentation après celle du professeur Miloki. Donc le cours est intitulé donc les blessures. Un thème très intéressant, très fréquent du fait donc de la violence enregistrée actuellement. Donc les objectifs du cours pour un futur médecin généraliste consiste à connaître donc la définition d'une blessure, donc c'est quoi une blessure, savoir prendre en charge, examiner et orienter une victime de blessure, connaître les constatations et l'interprétation des lésions et connaître la législation donc des blessures. Donc, un médecin généraliste donc, est tenu de connaître donc, ses différents objectifs parce que certainement qu'il va être confronté demain en pratique à la prise en charge d'une victime de blessure. Le plan de la présentation est comme ainsi. Donc, généralité, classification juridique des blessures. Puis, on passe aux différentes variétés des blessures. On va commencer par les contusions. Dans les contusions, il y a une sous-classification, les contusions du premier et deuxième degré, donc les ecchymoses et les hématomes, et les contusions du troisième et quatrième degré. Après donc, la présentation des contusions, on passe à la deuxième variété donc, des blessures, qui sont les plaies. Dans les plaies, nous allons commencer par l'excoriation, la plaie simple, la plaie contuse, puis on passera donc à la classification aux différents agents vulnérants utilisés dans les blessures, une législation selon le code pénal algérien, et on termine par une petite conclusion. En ce qui concerne donc les généralités, qui dit blessure dit une trace organique. Donc il y a une lésion. Elle est objective, donc elle est visualisée, elle est actuelle, elle existe, et qui témoigne d'un traumatisme déjà passé avant la prise en charge médicale ou médico-légale. Pour donc, le praticien, donc, il y a des questions qu'on doit se poser pour voir donc, l'intérêt de la question, c'est de rechercher quelle est la nature de la lésion, quelle est son origine, quelle est donc sa modalité et la circonstance. Qui dit la nature, s'agit-il d'une contusion, s'agit-il d'une plaie simple, d'une plaie contuse, d'une fracture, d'un éclatement donc d'organes ou de viscères, etc. Pour l'origine, c'est de savoir essentiellement sur la présence d'une blessure sur une personne décédée. Sur une personne décédée, donc quand on trouve une blessure, c'est de voir est-ce que cette lésion a été produite
de son vivant, pendant son vivant, ou après sa mort. On verra la suite, comment peut-on détecter et dire ou diagnostiquer la lésion antémortem d'une lésion post-mortem. La modalité, donc le mécanisme de production, est-ce que c'est par une action contendante, par morsure, par griffure, par. Donc les différents moyens utilisés dans la production de la lésion. Pour la circonstance, donc c'est pas donc le rôle du médecin généraliste et non plus celle du médecin légiste pour dire qu'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un crime. Ce sont des qualifications donc judiciaires et donc le médecin peut dire que ça peut se voir, ce type de lésion peut se voir au cours des accidents, au cours des suicides ou au cours des crimes, sans pour autant donc dire qu'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un crime. Donc, une blessure, c'est toute lésion produite par le rapprochement, ça veut dire un contact indirect, ou le choc d'une arme, d'un instrument, d'un objet quelconque. Elle peut être du fait d'un choc indirect, c'est généralement au cours des accidents de la circulation. Comme un peu, donc, la plus fréquente, c'est au cours des traumatismes directs, donc généralement au cours donc, des rixes, des agressions, des bagarres, etc. Maintenant, on passe à la classification juridique des blessures, parce qu'il y a donc deux variétés de classification. Il y a la classification médico-légale et il y a la classification juridique des blessures. Donc, un médecin généraliste doit connaître en même, au moins, la classification juridique des blessures. On parle de meurtre, donc c'est dans le code pénal algérien. C'est l'homicide commis volontairement, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un volontairement. Quel que soit le moyen ou l'agent vulnérable utilisé par l'auteur du meurtre. L'assassinat, c'est le meurtre commis avec préméditation. Qui dit préméditation, ça veut dire que l'auteur présumé de l'assassinat a prémédité, a préparé donc son passage à l'acte. Donc c'est pour ça que les sanctions pénales sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves quand il y a donc la notion de préméditation avant de commettre donc, l'acte d'assassinat. Il y a la notion de coups et blessures involontaires. Donc, dans des articles du Code pénal, ça se voit soit au cours donc, des accidents, beaucoup plus au cours des accidents de la circulation, au cours des chutes, c'est involontaire, il y a des articles. Il y a la notion de coups et blessures volontaires dans le Code pénal, donc au cours des agressions. Il y a la notion de coups et blessures simples, sans gravité, quand l'ITT pénal est inférieur ou égal à 15 jours. On va y revenir dans la législation. Et il y a des coups et blessures graves quand l'ITT pénal est supérieur à 15 jours, ça en matière de violence volontaire. Donc cette ITT, c'est une entité qui est pénale, qui n'a rien à voir avec l'arrêt de travail. L'arrêt de travail, c'est sur le plan professionnel. Donc, par contre, l'ITT, c'est une incapacité totale de travail. Donc, c'est, son intérêt, c'est quoi? C'est pour qualifier donc, l'infraction et pour désigner donc la juridiction pénale qui va statuer sur ce type d'infraction. Et en troisième intérêt, c'est de qui participe à la décision de la sanction pénale, emprisonnement, amende ou les deux peines à la fois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, merci. Nous allons passer à la description des différentes variétés donc, de blessures. Nous allons commencer par les contusions. Alors, dans qui dit contusion, ce sont les lésions post-traumatiques les plus fréquentes. Elles ne sont pas toujours bénignes. Donc, il ne faut pas avoir à l'esprit qui dit contusion, dit lésion bénigne.
Parfois, donc, les contusions peuvent être graves. Elles sont classées en 4 degrés. Le premier degré, c'est les ecchymoses. Deuxième degré, ce sont les hématomes. Troisième degré, ce sont les écrasements. Et quatrième degré, ce sont les broiements. Ce qu'il faut retenir, on va y revenir pour chaque type de, pour chaque degré de lésion. Ce qu'il faut retenir, quand on parle de contusion, il n'y a ni destruction ni effraction des téguments, donc ce sont des traumatismes fermés. Par contre, quand on parle de plaies, ce sont des lésions ouvertes, traumatismes ouverts. Nous allons commencer par les contusions du premier et du deuxième degré. Et nous allons voir dans un premier temps donc les ecchymoses ou contusions du premier degré. Qui dit leur intérêt, c'est que une lésion traumatique, quand on la trouve sur un sujet victime de blessure dans sa prise en charge médicale ou médico-légale, elle nous indique que le point d'impact du traumatisme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Généralement, un traumatisme direct engendre une lésion au point d'impact. Parfois, on peut trouver donc des lésions qui apparaissent à distance du point d'impact, surtout dans les traumatismes crâniens. Si le trauma crânien est au niveau de la région occipitale, généralement la lésion apparaît une ecchymose donc périorbitaire, donc en antérieur. Donc c'est à distance. Donc l'ecchymose, elle peut évoquer la date de la dite violence. On va voir par la suite, c'est par sa coloration. Donc, généralement, après un traumatisme, il y aura un saignement, coagulation sanguine et traduction cutanée par une tache. Ça s'appelle la tache ecchymotique ou l'ecchymose. Ça, la coloration de l'ecchymose évolue avec le temps. Et quand vous, donc, si vous voyez dans l'image, donc vous avez donc des lésions multiples ecchymoses au niveau du membre supérieur donc de la victime. Il y a des lésions qui sont récentes, mais quand même plus haut, vous voyez une ecchymose de coloration verdâtre. Il faut que le médecin, dans sa prise en charge, il doit faire très attention, parce que la victime, elle peut vous dire que j'étais à victime tel jour, telle heure. Or, la couleur donc, des ecchymoses peut vous dire que ce sont des lésions produites à des dates tout à fait différentes. Donc, il y a des lésions récentes, il y a des lésions qui sont anciennes. Donc, l'ecchymose, elle peut, ou les ecchymoses peuvent révéler parfois la nature de l'instrument vulnérable utilisé par l'auteur présumé de la violence. Ça veut dire que la lésion traumatique, elle épouse toutes les irrégularités donc, de l'agent vulnérable. Elle traduit, donc à partir donc, de la lésion, on peut deviner quel est l'agent vulnérable ou l'instrument utilisé par l'auteur. Comme vous voyez dans l'image, il y a des ecchymoses qui peuvent nous dire qu'il s'agit soit d'un bâton ou d'un tuyau. Chez un sujet décédé, quand on trouve une lésion traumatique, surtout le médecin légiste, doit se prononcer, est-ce qu'il s'agit d'une lésion antémortem ou post-mortem? Comment on fait? Il faut qu'on tranche. On fait une petite incision au niveau de la lésion. Si on trouve qu'il y a l'ecchymose, il y a le saignement, ça témoigne de la vitalité de la lésion. Ça veut dire que la lésion a été produite avant le décès de la personne. Parce qu'après le décès de la personne, donc les phénomènes physiopathologiques et physiologiques sont arrêtés. Il n'y aura pas de saignement, il n'y aura pas de coagulation. Donc, il n'y aura pas donc, de traduction cutanée donc d'ecchymose donc, au niveau du point d'impact. Sur le plan description et sur le plan morphologique, quand il y a donc un traumatisme, même s'il est minime, même s'il touche uniquement le plan cutané, vous savez très bien que là, sur le plan histologique, la peau, elle est richement vascularisée. Donc, il y a ce qu'on appelle l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'hypoderme, il est richement vascularisé. Donc, un traumatisme minime peut entraîner uniquement des lésions tégumentaires. Donc, il y a toujours un saignement, une coagulation, une traduction cutanée
c'est la tache ecchymotique. Donc, généralement, cette tache, elle est d'un rouge livide. D'accord. Son étendue, elle dépend, il dépend de la violence du trauma. Chaque fois que le traumatisme, il est violent, ça entraîne des lésions importantes. Parfois, le traumatisme, il peut être minime et ça provoque des lésions importantes. Ça se voit chez les gens tarés, chez les gens qui ont un trouble de la crasse sanguine et chez les malades atteints de maladies hématologiques. Donc, un traumatisme minime chez les diabétiques. Un traumatisme minime peut entraîner donc des taches ecchymotiques importantes. Donc, les ecchymoses évoluent selon une chronologie. Bon, c'est classiquement décrit, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est classiquement décrit. Les colorations rapidement noirâtres au premier jour, et donc cette coloration noirâtre, elle peut ne pas se voir ou difficilement détectable chez un sujet de teint noir. Donc, on ne peut même pas voir donc, l'ecchymose. Cette coloration change avec le temps. Elle devient violacée en 2 à 3 jours. Bleuâtre, 3 à 4 jours. Verdâtre, 5 à 6 jours. Jaunâtre, 10 à 15 jours. Et méconnaissable après 25 jours. Les ecchymoses qui persistent jusqu'au 25e jour, ce sont les hémorragies sous-conjonctivales au niveau des yeux qui peuvent persister jusqu'au 25e jour. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Du point de vue physiopathologique, donc traumatisme, donc je me répète, il y a toujours lésion vasculaire, même si elle est minime. Donc, lésion vasculaire, un saignement, une coagulation du sang, une hémolyse qui va se dégrader avec le temps, qui va se terminer par l'hématolysine et l'hémosidérine qui vont entraîner cette coloration donc de la tache ecchymotique. Sur le plan étiologique, pour un médecin généraliste, mais essentiellement pour le médecin légiste, quand on trouve une tache de couleur noire ou bleue ou verdâtre, on va se dire, s'agit-il d'une ecchymose vraie? Je m'explique. On vous a enseigné le cours sur la mort et on vous a parlé des phénomènes cadavériques, comme exemple, la tache de putréfaction, de coloration généralement verdâtre, etc. S'agit-il d'une ecchymose d'un certain âge ou bien s'agit-il d'une tache de putréfaction? Comment on fait la part des choses? On fait une petite incision, on fait un lavage avec un peu d'eau. Et si la lésion ne disparaît pas, donc le diagnostic positif de lésion traumatique type ecchymose vraie est posé. Parce que la tache de putréfaction, elle disparaît au lavage. Les lividités cadavériques disparaissent quand on fait l'incision, disparaissent au lavage. Donc, une fois que nous avons posé le diagnostic qu'il s'agit d'une ecchymose vraie, on va se poser la question suivante. S'agit-il d'ecchymose traumatique ou d'ecchymose spontanée? Est-ce qu'il y a la notion de traumatisme ou d'ecchymose spontanée? Donc, on fait quelques diagnostics différentiels. Donc, il faut que vous sachiez que les ecchymoses spontanées peuvent s'observer au cours des asphyxies. Vous avez, surtout dans les hautes altitudes, les gens qui, exemple, les gens qui habitent Seraïdi, ils ont donc toujours une hémorragie sous-conjonctivale. Donc, elle n'a rien à voir avec le traumatisme, c'est du fait donc des conditions climatiques. Sur le plan, il y a des maladies infectieuses, la typhoïde. Vous avez donc la tache rouge lenticulaire au niveau basé-thoracique. Donc, il ne faut pas la comptabiliser comme ecchymose traumatique, mais c'est une ecchymose du fait de l'infection. Le purpura. Dans certaines intoxications ou intolérances, vous trouvez donc des ecchymoses, donc spontanées et non pas traumatiques. Dans les affections diverses, les leucémies, les hépatiques, mais surtout au cours de certains traitements. Quand vous faites une injection à quelqu'un, il y a toujours ce bleu.
Donc, il ne faut pas la comptabiliser quand le malade vient et vous dire que j'étais victime d'agression comme lésion traumatique occasionnelle. D'accord? Donc, c'est une lésion produite dans sa prise en charge médicale. Quand vous faites un prélèvement, une prise de sang pour quelqu'un, il y a toujours ce bleu au niveau donc, du pli du coude, etc., qui apparaît. Ça, c'est la première variété des ecchymoses, des contusions, qui est les contusions donc, du premier degré, qui elles sont les plus fréquentes, je me répète. Elles ne sont pas toujours bénignes. Pour dire que parfois, si le corps est tout bleu d'une victime, on peut dépasser facilement la barre des 15 jours. Donc, il ne faut pas dire que, puisque c'est des contusions du premier degré, c'est des lésions bénignes, que l'ITT pénal est automatiquement inférieur à 15 jours, non plus. Parfois, on dépasse la barre des 15 jours, sinon il y a beaucoup donc, de lésions type ecchymose, étendue, touchant presque tout le corps, etc. On passe à la deuxième variété, ou deuxième classe des contusions, c'est les hématomes ou contusions du deuxième degré. Ce sont des collections sanguines dans une cavité néoformée, vous la voyez donc dans l'image. Son appellation diffère selon le plan sous-jacent. Si le plan sous-jacent de cette collection sanguine est dur, comme au niveau de l'extrémité céphalique, on parle de bosse, c'est comme la bosse sérosanguine chez le nouveau-né. Si le plan sous-jacent il est molle, comme par exemple au niveau de l'abdomen, on parle de poche. Pour vous dire que si le plan sous-jacent il est molle, donc celle qu'on voit en antérieur, elle est visible. En contrepartie, il y a une autre collection, elle est interne. Donc, parce qu'il y a un refoulement du plan en antérieur et en postérieur. Ce n'est pas comme si le plan sous-jacent il est dur, il y a un refoulement uniquement en antérieur. On passe aux contusions du troisième et du quatrième degré. Donc, les contusions du troisième degré sont appelées les écrasements des tissus. Et les contusions du quatrième degré sont appelées les broiements. Il va y avoir un broiement des muscles, des vaisseaux et des nerfs. Quel que soit le mécanisme, ce sont des lésions toujours se voit dans les traumatismes fermés. Toujours, c'est des contusions. Ça peut se voir au cours des accidents de la circulation, au cours donc des tremblements de terre, au cours des effondrements d'immeubles, etc. Il y a un écrasement donc, de tout le paquet cutané, musculaire, vasculaire, nerveux, etc. Ce sont toujours donc, des lésions de traumatisme fermé. On a terminé avec la première variété donc, des blessures, qui sont les contusions. Ce qu'il faut retenir, on a dit que ce sont des contusions classé en quatre classes, 4 degrés, ne sont pas toujours bénignes, apparaissent généralement au point d'impact, leur étendue dépend de la violence du traumatisme, mais ce sont toujours des traumatismes fermés. On passe à la deuxième variété, qui sont les plaies. Donc, qui dit plaie, donc dit traumatisme ouvert. Donc, il y a une solution de continuité des documents avec participation ou non des tissus sous-jacents. Parce qu'il pourrait y avoir uniquement le plan cutané, ou parfois même dans le plan cutané, la couche la plus externe qui est l'épiderme. La première variété, c'est l'excoriation. Elle prend plusieurs appellations, synonymes. On peut l'appeler érosion. Éraillure, éraflure, égratignure, écorchure. C'est la plus minime, elle réside de l'abrasion de l'épiderme. Pourquoi on parle de l'épiderme? Donc, ça veut dire qu'il y a une atteinte uniquement du plan cutané. Et le plan cutané, la peau, sur le plan histologique, elle est formée de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme.
Donc, qui dit excoriation dit atteinte de la couche la plus superficielle de la peau, qui est l'épiderme. Donc, on parle d'excoriation chez une personne vivante. Elle change d'appellation chez une personne décédée. Alors, sur le cadavre, puisqu'il y a une lésion épidermique, il y a une perte, absence de l'épiderme, donc, ce qu'il reste, on regarde de cette lésion épidermique, il y a le derme. Le derme, donc, il va se déshydrater parce qu'il va être exposé à l'air libre. Il va se déshydrater, il va brunir. Et donc, l'appellation, elle change chez le cadavre. Au lieu de l'excoriation, on parle de plaques parcheminées, comme vous la voyez sur la photo. Deuxième type de plaie, c'est la plaie simple. Il y a simplement effraction sans destruction des téguments. Les bords de la plaie sont nets, réguliers, linéaires, sans aucune perte de substance. Ça s'observe, ce type de lésion, quand il y a l'utilisation donc d'une arme blanche. Une lame à rasoir peut entraîner ce type de lésion. Un couteau à double tranchant peut entraîner ce type de lésion. Et vous voyez sur la photo, donc les bords de la plaie sont réguliers. Ils sont éloignés l'un de l'autre parce qu'il s'agit d'une plaie qui est vitale. Il y a un saignement, une ecchymose à l'intérieur. Donc, il y a un saignement, une hémorragie, puis une coagulation par la suite. La troisième variété de plaie, c'est la plaie contuse. Je me répète, on a dit la plaie simple, les bords sont linéaires, réguliers, etc. Dans la plaie contuse, elle réunit à la fois les caractères d'une excoriation, une atteinte épidermique, d'une plaie simple, il y a une atteinte, lésion, et d'une ecchymose, il y a une filtration à l'intérieur. Les bords de la plaie, à la différence de la plaie simple qui sont les bords linéaires, dans la plaie contuse, les bords de la plaie sont déchiquetés, irréguliers et décollés. La perte de substance étant plus ou moins considérable. Donc la différence, la plaie simple, les bords sont linéaires, réguliers. Dans la plaie contuse, les bords sont déchiquetés, irréguliers et décollés. Une fois qu'on a posé le diagnostic de la plaie, elle est là. Chez une personne décédée, on va voir, est-ce que la plaie, elle était antémortem ou produite en post-mortem? Les caractères d'une lésion vitale, d'une plaie vitale, sont l'hémorragie, donc un traumatisme minime entraîne un saignement. Chez la personne décédée, il n'y aura pas de saignement. Saignement, puis donc coagulation du sang. Chez la personne décédée, le sang ne se coagule pas. Et puis, il y a l'écartement des lèvres de la plaie. Alors, chez la personne décédée, donc les bords de la plaie sont collés l'un de l'autre. Donc, trois critères de diagnostic positif d'une plaie vitale, c'est l'hémorragie, la coagulation du sang et l'écartement des lèvres de la plaie. Donc, on a diagnostiqué une blessure, que ce soit contusion, que ce soit les plaies, avec les différentes variétés. Nous allons passer à voir un petit peu quels sont les différents agents ou objets utilisés généralement par les auteurs des agressions. Donc nous avons donc les agents contendants. Donc les agents contendants. Les agents contendants peuvent être soit naturels, soit improvisés, soit préparés. Naturel, c'est quoi? On appelle un agent contendant naturel. Ça veut dire que l'auteur présumé de la violence utilise une partie de son corps. Il peut utiliser ses mains, en donnant un coup de poing, les pieds, sa tête, les talons, n'importe quel objet de son corps.
Donc, ça s'appelle, l'utilisation de ces objets s'appelle utilisation d'agents contendants naturels. Improviser, agent contendant improvisé, c'est. Donc, c'est un bâton, une pierre, une bouteille, un marteau, préparé, c'est des coups de poing américains, une canne plombée, etc. Les armes blanches causent des plaies simples. Il y a les armes blanches piquantes, uniquement piquantes, vous voyez dans l'image. Les armes tranchantes, les armes piquantes et tranchantes à la fois. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Okay, parfait. On passe un peu à la législation. Dans la législation, bon, il y a des articles, moi les articles, le numéro des articles, ça ne m'intéresse pas, donc le numéro des articles, ce qui m'intéresse, c'est le contenu des articles. Et donc, c'est le code pénal algérien. Dans le code pénal algérien, il y a des articles qui parlent donc, de violences volontaires, et donc de là, c'est la règle des 15 jours. Il y a des violences involontaires, et c'est la règle des 3 mois ou 90 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Après traumatisme, donc il y a un bilan lésionnel, et le médecin légiste, à partir de ce bilan lésionnel, il va donner une incapacité temporaire totale, pénale, un certain nombre de jours, en fonction du bilan lésionnel et en fonction de la gravité des lésions et du traitement entrepris. Pour vous dire qu'il n'y a pas donc de critère qui vous dit que telle lésion mérite tel nombre de jours. Donc, si l'incapacité temporaire totale est inférieure ou égale à 15 jours, l'infraction commise par l'auteur présumé de la violence sera qualifiée de contravention et donc indirectement, on va désigner quelle est donc la juridiction qui va statuer sur la question et quelle serait donc la sanction pénale pour l'auteur présumé des violences. Si l'ITT est supérieur à 15 jours, c'est un délit. Et donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que l'infraction, elle est grave et les sanctions pénales sont importantes. Parfois, on n'a pas besoin donc, de fixer donc, l'ITT. Il suffit de bien décrire le bilan lésionnel pour orienter le magistrat. Je m'explique. Un traumatisme direct, coup de poing qui entraîne un éclatement de l'œil, ça veut dire perte de la fonction de l'œil. Donc, on ne va pas fixer le nombre de jours. Donc, le magistrat, on va lui dire que le traumatisme, il est grave, il a entraîné une perte de la fonction de l'œil. Donc, il va ouvrir le code pénal dans un de ses articles. Donc, il va dire que coup et blessure volontaire ayant entraîné la perte d'un organe noble, il s'agit d'un crime. Donc, l'infraction, il s'agit d'un crime avec les sanctions pénales. Dans les violences involontaires, donc c'est la règle des 90 jours, donc 3 mois quand même, rarement on dépasse donc la barre de 3 mois, donc de 90 jours, on reste presque dans la majorité des cas, dans le cadre de la contravention et non pas celle du délit. En conclusion, un mot. Une blessure résulte toujours d'un traumatisme direct ou indirect. D'accord ? Il y a toujours la notion du traumatisme. Que ce soit donc un traumatisme volontaire ou un traumatisme involontaire. La blessure, elle peut être bénigne ou grave, on l'a vu. Hein? Un traumatisme peut occasionner des lésions graves comme il peut entraîner des lésions bénignes. J'insiste sur le certificat médical qui doit être rédigé par le premier médecin qui prend en charge, donc c'est le médecin généraliste. Ce premier certificat doit comporter le maximum d'informations sur la nature des blessures, leur siège, leur nombre, leur topographie. Un certificat médical doit comporter le maximum d'informations, d'accord, sans pour autant les interpréter. Parce que toute victime de violence,
elle doit transiter systématiquement par le service de médecine légale. Voilà comme référence bibliographique, quelques références bibliographiques, et je reste à votre disposition pour des questions. À vous la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il faut poser la question oralement, s'il vous plaît. Hein? Posez-moi la question oralement, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? L'intérêt du ITT, docteur. Oui, docteur. Voilà, vous me posez la question oralement, s'il vous plaît. Oui, la question, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris les isolations, s'il vous plaît, docteur. Les? Vous n'avez pas compris quoi? La législation. L'intérêt de la... La législation, elle est importante, d'accord. Pourquoi c'est important? C'est à partir de l'estimation ou de la fixation de l'ITT que la justice va trancher. Donc, quand on donne une incapacité ITT pénale inférieure ou égale à 15 jours, ça veut dire indirectement, le médecin légiste, il va qualifier l'infraction, parce que c'est une entité qui existe dans le code pénal. L'infraction est considérée comme contravention. Et indirectement, les infractions type contravention, il y a une juridiction spéciale qui prend en charge ce type de dossier. C'est elle qui va gérer le dossier. Et indirectement, puisqu'il s'agit d'une infraction, donc le magistrat va sanctionner l'auteur en fonction de l'infraction prévue dans le code pénal. Donc indirectement, tout en sachant que parfois, on dit qu'au magistrat, il ne faut pas uniquement se contenter du nombre de jours fixé par le médecin légiste. Donc il faut tenir compte de l'agent vulnérable utilisé dans l'agression et du lieu de l'agression. Je m'explique. Si un médecin est agressé au milieu de son travail par un malade et lui laisse uniquement des excoriations simples, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une contravention. Donc l'agression au milieu du travail, c'est un délit, c'est grave. Donc il ne faut pas tenir compte du nombre de jours que fixe le médecin légiste. Le fait d'agresser quelqu'un par une arme tranchante, un couteau, l'agent en lui-même est un délit, est délictuel. Donc il ne faut pas se contenter uniquement du nombre de jours. Donc, pour le magistrat, il faut qu'il fasse l'enquête. Donc, le lieu de l'agression, l'agent vulnérable et les circonstances de l'agression. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, donc, autre question, s'il vous plaît? L'intérêt du ITT, s'il vous plaît. Je vous ai dit que l'ITT, c'est pour... elle qualifie l'infraction, elle désigne quelle est la juridiction qui va statuer, donc c'est au niveau de la justice, et elle va déterminer la sanction pénale qui doit être infligée à l'auteur présumé des violences. Donc c'est au niveau, c'est indirectement, on va qualifier l'infraction, contravention, délit ou crime. Quelle est la juridiction? Est-ce que c'est le tribunal de simple police? Est-ce que c'est le tribunal délictuel? Est-ce que c'est le tribunal correctionnel qui va statuer? Et puis sur la sanction pénale, est-ce que uniquement une amende? Est-ce que un emprisonnement? Est-ce que les deux peines à la fois, etc. D'accord? Hakim, comment on détermine un ITT inférieur de 15 jours ou supérieur à 15 jours? Tout à fait. Très bonne question. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de barème, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale, qui vous dit telle lésion mérite tel nombre de jours. Donc l'ITT, on tient compte du bilan lésionnel global et de la gravité
des lésions et de la thérapeutique du sujet. Est-ce qu'un traitement médical simple? Est-ce qu'une intervention chirurgicale? Est-ce qu'une